Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Game Dev Tycoon. Donc c'est un jeu simulation. En fait, vous faites semblant d'être une entreprise. Donc mon entreprise, je vais l'appeler Arby Games. Nom du joueur, Arbiter. Donc là, sexe féminin ou féminin ou masculin, moi je prends gars. Allez comme ça, ouais, on laisse de base. Déverrouiller les conseils. J'y ai déjà joué, je vais. Oui. Comme ça j'aurai les conseils que j'ai déjà fait dans une autre partie. Alors on va tout de suite commencer. On va développer un nouveau jeu. J'ai quoi comme thème? Voyage temporel, avion, vocabulaire, musique. Avion, une simulation. Air Games. Voilà. Alors, donc moi j'ai déjà les conseils et tout. Là je les ai pas, mais voilà. C'est parce que sur le PC j'en fais souvent. Donc j'ai déjà fait une partie avant. Un graphisme en 2D par contre. Voilà. Contexte, un avion, un jeu d'avion, simulation d'avion, c'est pas super. Alors, le moteur là, comme ça, là j'attends que les petits points de technologie, de design, de recherche se mettent. Moi aussi, les bugs, mais ça, je pourrais les corriger après. Design du niveau, comme ça, dialogue, comme ça. Tac, plein de petits points. Bon, pour l'instant, j'ai quelques petits points, mais. Après, sur les autres parties, quand je serai plus avancé, j'aurai 174 points, enfin énormément. Les points, attendez. Alors, les bugs, ils se font corriger à la finition. Voilà. C'est bon. Sachant que si on attend trop longtemps, y a quelques bugs qui se remettent. Donc, faut attendre. Là, je peux renommer, mais je garde. Alors, expérience acquise, j'ai eu le bonus 1 x 1,5 du nouveau thème et du nouveau combo. Ouais, donc j'augmente mes compétences en tout ça, gameplay, moteur, histoire, quête, dialogue, design du niveau, intelligence artificielle, design du monde, graphisme et le son. Et mon perso, Arbiter, son augmente son level. Et pour l'instant, on va attendre. Le temps qui nous donne les premières critiques. Alors, ok. Alors, est-ce que le premier jeu de Arby Games va être bon? 9, c'est pas mal. Wait, ouais. Ouais, bof, bof, c'est... Ouais, ça va. On va voir dans l'historique des jeux. 7,75, ok. On va voir après combien ça va se vendre en haut à droite. Alors, en haut, c'est la barre des projets. C'est quand vous faites un nouveau jeu, c'est là qu'il sera affiché. Alors, ouais, j'ai été classé numéro 13 des ventes. Alors, première semaine, voilà. Air Games a rencontré un tel succès que nous avons maintenant 61 fans. Bon, voilà. Après, il pointe design, technologie, recherche et bug. Ouais. C'est ce que vous amassez pendant votre création du jeu. En haut à droite, il y a vos fans, le mois, l'année et la semaine, je crois. Je crois que c'est ça. Après, il y a l'argent. Moi, j'ai 171 900. Bon, là, ça augmente parce qu'il dépense, il y a l'argent de ceux qui achètent mon jeu. Là, c'est la vente du jeu, Air Games, le dernier jeu que j'ai fait, là, le premier. Exemplaire 24 400, rang 36, au rang des ventes. Voilà, ça fait pas mal, hein, quand même. Donc, puis, bon, là, c'est le garage. Moi, je fais tout le temps des rapports sur les jeux.
Les rapports sur les jeux, ça permet de savoir si c'est un bon combo, genre action plus simulation, avion plus simulation, des trucs comme ça. Les récentes études de marché montrent que les ventes de... Alors vous mettrez pause sur la vidéo pour lire, hein. Moi je connais tout par cœur. Enfin, peut-être pas par cœur, mais voilà. Alors là, je gagne des points de recherche. Les points de recherche, ça va me permettre à faire des recherches, genre pour augmenter mes jeux, la qualité de mes jeux. Rechercher, par exemple, je peux aller chercher pour 10 points de recherche, je peux chercher un nouveau thème. Il y en a pas mal. Voilà. Ou là, je peux avoir un moteur de jeu personnalisé, mais il faut 50 points de recherche. Alors pour l'instant, je vais rester comme ça. On va développer un nouveau jeu. En sachant qu'il ne faut pas toujours faire les mêmes jeux. Parce que sinon après ça se vend plus. Il commence à en avoir marre, t'as des mauvaises notes et puis voilà. Voilà, voyage dans le futur. J'ai pas d'autre idée. Action, ouais. Graphisme 2DV1. C'est tout ce que j'ai, ça coûte 10 000. C'est pas mal. Alors, le point d'interrogation à droite, là, des plus ou des moins, là, ça veut dire qu'on n'est pas sûr si c'est vrai. Il faut faire une étude pour pouvoir être sûr. L'étude, c'est en appuyant sur la clic gauche, là. Il y a faire un rapport sur le jeu. Vous sélectionnez entre vos jeux, vous avez fait vos trucs et ça vous donnera des infos. Genre là, c'est parfait. À dialogue, on va le descendre. Là, ça prend. Ça fait les points. Alors, graphisme, le son est basique. Son niveau 1. Là, son minimum. Et design du monde, on va mettre là. Que je bosse un petit peu dessus quand même. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivendo, donc Nintendo, hein, projette de lancer sa propre console de jeu. Nivendo est connue pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. Bon, vous savez tout ce que c'est. Voilà, vous avez qu'à lire, hein, en faisant des pauses. Ouah, tous les points! Ça fait pas mal. On va corriger les bugs. C'est bon. Alors, voyage dans le futur. Nouveau thème, nouveau combo. Alors, publier. Après, il y a la possibilité de détruire, mais moi, je détruis pas. Alors, pitié que ce soit des bonnes critiques. Peut mieux faire. L'accent sur la partie intelligence artificielle a très bien servi ce jeu. Ouh. Ouais, c'est pas des super notes hein, quand même. Faire un rapport sur le jeu, choisir. Donc, alors je voulais dire, Game Dev Tycoon, c'est un jeu qui vous ramène 30-20 ans en arrière sur les tout débuts des consoles et des jeux. Et vous pourrez voir une évolution constante du monde dans lequel on vit. La Super NES qui va sortir, la NES qui va sortir, la Master System, la. Toutes ces vieilles consoles là qui vont sortir jusqu'à la Xbox 360, enfin de la plus vieille à la plus récente, enfin sachant que voilà, ben TES, la NES, la TES, voilà c'est la console. Alors les épisodes dureront à peu près 10 minutes, 10-20 minutes. Ça dépendra. Là, je vais essayer de. Alors, je vais rechercher moteur de. Oh, bah non, j'ai pas assez. Bah, nouveau thème. On va aller dans l'espace cette fois-ci.
Alors, je retirais du marché, ouais. Ouais, ça fait moins qu'avant. C'est dommage ça. 71 000 de moins. 71 000, c'est quand même pas mal d'argent. Alors, les recherches sur le thème espace. Va tout de suite faire un nouveau jeu. Free Space. Je sais pas, j'ai envie de mettre que ça. Toujours sur PC, la G64 me tente pas trop. Pas tellement envie. Alors attendez. Pour résumer, le jeu s'appelle Free Space. C'est un jeu de thème espace. Dans l'espace, c'est un jeu de stratégie qui est sur PC. Suivant, c'est en 2D. Ouais, je sais pas ce que ça peut donner, hein. Ah ouais. Oula, histoire quête, bof. Gameplay, faut que ça soit pas mal. Moteur, faut que ça soit pas mal quand même. Je sais pas. Est-ce que j'ai bien placé? Je sais pas. C'est ma première avec le combo espace-stratégie, hein. Intelligence artificielle, faut que ça soit pas mal quand même, hein. Pff, dialogue, on s'en fout un petit peu, c'est. Voilà quoi. Et quand j'aurai la possibilité de faire des suites et de mettre un didacticiel et de pouvoir jouer en multi là sur que on pourrait jouer en multi parce qu'on peut monter nos trucs en recherchant, et ben je le ferai directement. Je ferai une suite à Free Space s'il marche bien le jeu. Sinon je ferai un autre jeu stratégie autre chose. Hein. Médiéval par exemple. La TESS. Ah, aujourd'hui Nivendo a sorti la TESS, la nouvelle plateforme de jeu. Donc où j'en étais, je sais plus. Voilà, je mettrai parce que les jeux de stratégie qui se jouent pas en multijoueur, perso, j'ai jamais vu moi. Hein. Vous me direz si vous en avez déjà vu, mais moi non. Alors, notre dernier jeu vient d'arriver. Les critiques. C'est pas mal, hein, du 7 pour la première note. 8. Ou 7. Oh. 7. Ok, 7, 8, 8. 7, 8, 7, 7. Faites pas attention. Commentaires, c'est toujours les mêmes. Travail sous contrainte, j'avais juste terminé Free Space et votre talent m'impressionne. Mon travail consiste à conclure des contrats. En gros, c'est la personne avec qui on pourra conclure des contrats. Tiens, je vais essayer de vous en faire un. Trouver un travail sous contrat. Je vais essayer. Donc ça le fait tout seul. Si tu réussis le contrat, tant mieux pour toi, tu gagnes de l'argent, c'est super cool. Si tu réussis pas le contrat, t'as une pénalité d'argent. C'est moins cool. Là, il me donne 13 000 parce que j'ai réussi. Même pas que j'avais honoré le contrat sans travail tous les 6 mois, alors même dans quelques temps. Alors, 419 fans, c'est pas mal. Donc, alors, on va terminer cet épisode avec 419 fans, 448 fans. 304 300 d'argent et 3 jeux sortis, 3 jeux sortis. Donc sur ce, je vous dis bonnes vacances à vous si vous êtes dans la zone B et bonne rentrée à vous si vous êtes dans les autres zones. Amusez-vous bien, portez-vous bien, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez votre vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous améliorer. Allez, ciao ciao!